Everybody's got a blank page, a story they're writing today, a wall that they're climbing. You can carry the past on your shoulders, you can start over regrets. No matter what you've gone through, Jesus, He gave it all to save you. He carried the cross on His shoulders, so you can start over. Don't let your heart be troubled, don't be afraid. To the brokenhearted, their wish is paid. Never been born, never been torn, never sinned, never disobeyed. I know you think there's no hope, no, but that ain't true. Jesus saves. I know you feeling regret, like I brought this all on myself, like I messed it up big time, and this time I don't deserve God's help. Thinking, how can God forgive me? After knowing what I did, can He? After knowing that I hid from Him and I stayed away and backslid. Listen, Jesus came for the sick, so true. Jesus came for the weak, amen. Jesus came to give good news and to set the captives free, amen. Listen, Jesus came for the poor, amen. Jesus came with the keys, amen. Jesus came to remove the chains so the prisoners could be released. Everybody's got a blank page, a story that. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous fais une petite vidéo. On est arrivé sur la communauté autochtone d'Obedjiwan depuis hier, jeudi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici autour. C'est une communauté d'environ 3500 autochtones, les Atikamekw. Et puis il y a des grands besoins. C'est incroyable, il y a des chiens errants qui traînent partout, il y a des enfants qui traînent partout dans les rues jusque tard dans la nuit parce qu'ils n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux. Les parents sont pratiquement tous dépendants de la drogue, ils ont des problèmes de consommation. Il y a beaucoup de speed qui détruit cette communauté-là. Il y a juste un point d'accès au village, puis c'est presque 3 heures de gravelle. Ça serait facile pour les autorités et les policiers de fouiller les autos et d'empêcher le speed de rentrer sa communauté, mais apparemment les autorités sont corrompues puis il y a de l'argent à faire avec ça, fait que la drogue rentre quand même puis les familles sont détruites. Il y a des grands besoins, mais gloire à Dieu, il n'y a pas un besoin qui est trop grand pour Jésus. On est ici toute la fin de semaine pour transformer cette communauté-là puis leur présenter l'amour de Christ. Ils sont isolés, ils sont toutes seuls, puis leur seul espoir, c'est Jésus, puis Jésus est capable de répondre à la demande. Je viens de sortir de l'épicerie qui est ici. On a rencontré un homme désespéré qui s'appelait Bruno. Il s'est brisé les côtes il y a 2 jours. Ça faisait 2 jours qu'il avait de la difficulté à respirer, qu'il n'était plus capable de se pencher. Puis Jésus l'a guéri. On a pu semer dans sa vie. Il a été vraiment touché. Il va revenir ce soir avec sa femme qui a le pied brisé peut-être. On commence notre travail, puis Dieu va être fidèle. On est excité de voir qu'est-ce que Dieu va faire, puis on est vraiment excité de voir qu'isolé comme ça dans le bois, on a fait près de 12 heures de route pour venir ici. Mais même si c'est isolé, puis qu'on est dans le bois, qu'il y a un seul point d'accès à l'Évangile, c'est rendu quand même. Puis il y a des frères et sœurs Atikamekw ici, des Autochtones qui sont nés de nouveau, remplis de l'Esprit, qui sont tellement simples, puis ont tellement une foi sincère pour Dieu, puis un amour pur, c'est bénissant de voir ça. On vient pour les encourager, puis les aider dans leur communauté, puis leur montrer que la solution, c'est Christ. Christ dans leurs finances, Christ dans les problèmes de consommation. Puis la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Fait qu'on sait que Jésus va faire des grandes choses ici, puis on est vraiment bénis de pouvoir détruire les œuvres du diable. Quelqu'un n'est pas venu ici ce soir. Quelqu'un qui était tristé. Quelqu'un qui a des temps difficiles. Comme je vous ai dit, on a rencontré un homme après-midi dans l'épicerie qui passe le temps difficile. C'est là que j'étais crié à Dieu. Je vous garantis à 100%, pas 99, je vous garantis à 100% que si vous êtes dans le malade, si vous criez à Dieu, il va vous exaucer ce soir. Il va vous rencontrer ce soir. Il va souffler sur vous son esprit saint. Il va relâcher la puissance qui va vous rendre heureux. Vous allez sentir quelque chose. Est-ce que vous allez. Vous pouvez me demander si on doit sentir. Vous n'avez pas besoin de sentir, mais vous pouvez sentir. La Bible dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est de retour de notre voyage sur la communauté autochtone d'Obedjiwan. On est revenu avant hier. Puis, wow, on a été là 4 jours. Puis la présence de Dieu était présente à tous les jours. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Il y a des gens qui sont revenus au Seigneur. Il y avait des frères et sœurs qui avaient besoin d'être fortifiés dans leur foi, d'être encouragés. Puis ça a vraiment été une bénédiction. On ne peut pas partager tout ce qui s'est passé parce que Dieu a fait tellement de choses, surtout en 4 jours. Mais juste partager des petits témoignages, des faits saillants. Peut-être vous allez voir dans une vidéo précédente, on était sortis à l'épicerie sur la communauté, l'épicerie magasin général le vendredi. Et puis le samedi, on est retourné. Et puis le gérant de l'épicerie nous a reconnus, puis on a commencé à jaser avec lui. Et puis en jasant, il nous a expliqué qu'il y avait un problème avec son dos, qu'il s'était blessé en travaillant, puis il s'était aussi étiré des muscles ou des tendons en arrière de la jambe. Puis depuis ce temps-là, il y avait toujours de la douleur. Fait que on a pu l'asseoir sur des caisses de liqueur qui étaient là, puis Dieu a allongé sa jambe devant ses yeux. Il avait des grosses bottes de travail, puis sa jambe a sorti beaucoup plus longue que l'autre. Fait qu'il a été vraiment surpris de ça, il s'est mis à rire, puis il savait pas quoi penser, puis on a prié pour lui, pour ses douleurs, puis aussitôt qu'il s'est relevé, il n'y avait plus aucune douleur, ni dans ses jambes, ni dans son dos. Fait qu'il devait retourner travailler parce qu'il y avait des clients, mais il a été vraiment touché de ça, puis on a pu semer dans sa vie. Et puis, nous, on demeure pas sur la communauté, mais nos frères et sœurs qui sont là, eux, ils peuvent continuer à s'occuper de ces gens-là qui ont été touchés par Dieu, puis continuer à prendre de leurs nouvelles. Puis comme c'est une communauté qui est pas énorme, puis qui est assez éloignée, ben les gens, ils se connaissent pas mal tous là-bas. Donc, ensuite, quand je suis sorti de l'épicerie ou du magasin général, il y a un des jeunes, un jeune employé qui travaillait là, qui marchait dehors. Puis le frère que j'étais avec, il me dit, ce jeune-là, il dit, il a déjà connu le Seigneur, il avait même donné sa vie à Jésus. Puis malheureusement, à cause des tentations du monde, il est retourné, il a délaissé tranquillement, puis il est retourné dans le monde. Fait qu'il était assis au bout du trottoir en train de prendre une pause cigarette. Puis je suis allé le voir, j'ai commencé à y témoigner, puis à l'exhorter à revenir au Seigneur, à lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Puis il a commencé à me partager ses questionnements. Puis il fallait qu'il retourne travailler, fait que j'y ai proposé, il n'y avait aucune douleur physique, aucun problème, il était en santé. J'ai dit, avant que tu retournes, j'ai dit, j'aimerais ça prier pour toi, pour que Dieu puisse toucher ton cœur, puis te ramener, te pousser à prendre la bonne décision. Puis il a accepté avec plaisir. Fait que, aussitôt que j'ai commencé à prier pour lui, ça a pris quelques secondes, il a commencé à balancer, puis il est tombé au sol. Puis là, il me disait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, j'ai jamais vécu ça avant. Puis en dedans de quelques secondes, il a commencé à manifester un démon, puis à essayer de vomir. Et puis, tu sais, quand on connaît le Seigneur, puis qu'on retourne dans le monde, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. La Bible en parle, puis on s'expose à des grands dangers. Ce jeune-là, par ignorance, ben, il s'était exposé aux forces de l'ennemi, puis il avait attrapé un démon, ou plus qu'un. Et puis, commencé à chasser le mauvais esprit sur lui, puis quand il s'est relevé, il a essayé de retourner travailler. Aussitôt que j'ai reprié pour lui encore, il est retombé au sol, puis il a recommencé à manifester. Un petit rec là en avant de l'épicerie, devant tout le monde. Et puis, j'ai continué à prier pour lui, et puis à la fin, il a commencé, il était couché au sol, puis là, il adorait le Seigneur, puis il disait « merci Jésus de m'avoir délivré ». Puis, juste, la police est intervenue juste au moment où ça venait de se terminer, gloire à Dieu. Ils sont venus me demander qu'est-ce qui se passait. J'ai dit, ah, il a vécu une expérience avec Dieu, mais maintenant il est correct. Donc, les policiers sont habitués d'intervenir sur la communauté pour des gens qui sont en déshydratation à cause d'overdose, puis des trucs comme ça. Fait que le policier, il m'a pas posé de questions plus que ça. Il a dit, c'est parfait, s'il est bien, c'est ça qu'il faut. Puis le jeune, il m'a dit, waouh, j'ai jamais vécu ça avant. Il a commencé à poser des questions, il a été touché, puis il veut revenir au Seigneur vraiment. Fait que le frère qui était avec nous sur la communauté va continuer à prendre des nouvelles de lui. Gloire à Dieu, il s'est passé tellement de choses. La veille du même soir, il y a un jeune à l'assemblée où est-ce qu'on était réunis dans le gymnase de l'école là-bas. Il a avancé en avant pour redonner sa vie au Seigneur avec sa copine. Puis il pleurait, puis il voulait être libéré de ses péchés, puis il regrettait de... Il avait connu le Seigneur aussi, puis il était retourné dans le monde. Il y a beaucoup de difficultés puis de problèmes de consommation sur la communauté. Puis les jeunes sont souvent pas encadrés, fait que c'est des choses qui arrivent. Et puis, aussitôt qu'on a commencé à prier pour lui, il a tombé au sol. Puis quand il est venu pour se relever, il a commencé à cracher. Puis aussitôt, il s'est viré à genoux, puis il a commencé à manifester un démon, puis à vomir. Beaucoup. Et puis, il a été libéré. Gloire à Dieu. Il s'est passé tellement de choses. C'était tellement bénissant de voir Dieu agir dans cette communauté-là. Le lendemain soir, Dieu a agi fortement dans l'assemblée. Il y avait un frère autochtone qui était là aussi, un conférencier avec nous de la Saskatchewan. Puis il y a une jeune fille de peut-être 14, 15 ans, 16 ans maximum qui a avancé. Et puis, elle m'a juste dit, elle dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, elle dit, j'ai mal au ventre. Je savais quand elle m'a dit ça que c'était pas une douleur naturelle. Fait que aussitôt qu'on a commencé à prier pour elle, ça a pris quelques secondes, elle a plié en deux. Puis après ça, elle s'est mise à tousser, elle est tombée à genoux, puis elle a commencé à faire des efforts pour vomir un mauvais esprit qui l'attaquait. Fait que, gloire à Dieu, c'était tellement bon de voir qu'est-ce que Dieu a fait. Puis, les frères ont été encouragés, puis ils nous ont dit qu'ils nous enverraient des vidéos de témoignages prochainement de ça. Eux, ils vont continuer à aller sur la communauté, à aller prier pour les gens. Vous savez, l'espoir de la communauté, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul qui peut régler les problèmes de consommation. La majorité de nos frères et sœurs autochtones qui sont là aujourd'hui, avant que Jésus vienne les sauver, ils étaient dans cette situation-là. Il y avait des problèmes de consommation, des problèmes de boissons. Là-bas, il y a beaucoup de speed. C'est pratiquement que ça. Les gens sont tous accros au speed. Puis eux, ils ont été sauvés de ça. Fait que si Dieu l'a fait pour eux, ils sont capables d'avoir une compassion pour les gens qui sont pris là, puis ils sont la preuve vivante que Dieu peut transformer une vie. Jésus peut briser toute dépendance, peu importe la drogue, peu importe la force que la drogue, puis l'emprise qu'elle peut avoir sur quelqu'un, Jésus est au-dessus de ça. Donc on se réjouit de ce que Dieu a fait, puis on a été vraiment bénis, puis bien accueillis par nos frères autochtones, puis... on a hâte de voir ce que Dieu va faire dans cette communauté-là au courant de l'année. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. Puis, si Jésus n'était pas limité, on était presque à 12 heures de route. Il y a une route d'environ 3 heures sans revêtement, en plein milieu du bois pour aller là. La puissance de Dieu était efficace quand même. Les gens étaient touchés, délivrés, guéris puis sauvés quand même. Il n'y a pas de distance à la puissance de Dieu. Alors, manifestez Christ, on vous encourage à le faire. Si on peut le faire, vous pouvez le faire. Soyez bénis dans le nom de Jésus.